La plupart des gens, ils savent que le fruit de Rumble fait partie des fruits les plus skill. Sauf qu'il y a un fruit encore plus skill que Rumble. What? En fait, je pense que le top 1 de tous les joueurs qui jouent skill, en fait, ils jouent ce fameux fruit. Et ce fameux fruit, c'est ce fruit de Pain. Ouais. Avant toute chose, dans cette vidéo, notre but, ça va être de pouvoir PVP avec ce fruit. Et découvrir, en fait, quels sont ses points forts. Parce que j'avoue que moi, quand on m'a parlé de ce fruit, franchement, je me suis dit non. Comment c'est possible que j'ai jamais entendu parler de ce fruit, en fait? D'après la dernière vidéo, Loxy, il l'avait utilisé. Ce fruit, il est tellement sous-coté que personne ne le calcule. Mais seuls les joueurs skill, ils savent très bien le potentiel de ce fruit. Une fois qu'il sera Master 600, là, on va profiter pour PVP avec. Mais on va utiliser quand même un setup bien skill. Hein. On va pas jouer nos skills. Parce que nous, on aime bien jouer de façon skill. Pour que ça soit toujours plus skill. Oula, c'est qui là-bas? Gatlaim. Ah, mais lui, je me souviens. Il fait partie de mes subs, enfin, les membres de YouTube. Tout d'abord, on va d'abord aller random, parce qu'étant donné que j'en ai qu'une seule fruit de pain, ouais, j'évite de le bouffer en fait. J'ai un peu peur de le perdre, parce qu'en fait, en même temps, je ne l'ai pas vraiment en perme. C'est un nouveau compte, donc du coup, je n'ai pas encore tous les fruits perme, ouais, comme vous pouvez le voir. Il me manque encore pas mal de fruits que je dois débloquer. Let's go, on va aller d'abord random. Ouh, en plus de ça, j'adore ce... Waouh, c'est qui en plus ce fruit là? J'adore ce fruit. Mais bon, c'est pas grave. On va d'abord aller random. Alors, let's go, on va random. Qu'est-ce qu'on aura? On a le fruit de stand. Franchement, on a vraiment pas de chance, en fait. Étant donné que je n'ai pas eu de la chance d'avoir le fruit, ben, ce que j'ai à faire, c'est juste de pouvoir le insérer dans mon store et le bouffer. Mais vu que j'en ai qu'une seule et j'ai un peu pitié de ce fruit, je pense que je vais directement me l'acheter en perme. En vrai de vrai. Ouais. Bon, j'ai pas beaucoup de Robux, mais je vais utiliser ce que j'ai pour l'acheter. Maintenant, je l'ai en perme. Donc du coup, ça signifie que je peux l'équiper. Et combien de masteries j'ai déjà? 445. Je l'ai joué avant sans le remarquer, en fait. Mais franchement, j'ai jamais PVP avec ce fruit. Ça veut dire qu'en fait, il me reste que 155 masteries à faire. Bon, l'avantage d'avoir ce fruit en perme, en vrai de vrai, ça va être que je pourrais prendre le portal et aller profiter pour aller changer ma race au labo. Hop, c'est quand même assez cool, rapide, efficace. On va gaspiller quelques fragments. 82, waouh, chaque vidéo, ça diminue. Il va falloir faire une vidéo où ça va augmenter. 2500 fragments perdus, comme d'habitude, aussi avec un visage dégueulasse. Il va falloir vraiment que je me débarrasse par contre des lunettes. C'est moche! La bonne nouvelle, c'est qu'on est arrivé à destination, là où on est censé farm. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que on va devoir farm et ça va être peut-être très long. De toute façon, je sais que je vais pas m'ennuyer en faisant du farming, tout simplement parce que ça va me permettre aussi d'augmenter mon argent. Ouais. L'argent augmente petit à petit, mais on la gaspille aussi en faisant des randoms à chaque fois. On va d'abord commencer par activer notre V4. 12 seconds later. Je pense qu'il est grand temps pour nous d'activer la V4. Ouais, ça va être très chaud, let's go. Wake up to reality. Wow. Wesh. Wow. Oh, c'est trop beau. Je vais changer aussi de ça. On va changer le gun pour l'instant pour pouvoir utiliser un gun qui sera quand même assez cool pour farm vite. Et hop. Et là, on va leur mettre tous les attaques en même temps. Oh la jungle. Je rêve où il y a une attaque qui s'appelle vraiment torture. Je viens de remarquer, elle s'appelle torture. Oh, vraiment, faut croire que c'est vraiment une fruit de la douleur. Hein. Et on met la V comme ça, hop là, et comme ça, ils meurent tous d'un coup. Magnifique. Partage de dégâts, partage de dégâts. Hop là, let's go, Master 500, plus que 100 Mastery, vas-y. Six and a half hours later. Allez hop. Non. Il faut absolument que je puisse au moins, oh. Vite. Enfin, Master 600. En plus, la V4, elle était en train de finir. Je pense que pour une première PVP avec ce fruit, au moins là, les stats, ils sont parfaits.
Attends, bon, on va d'abord commencer par faire un petit test, voilà. Je vais prendre une sword qui vaut le coup, par contre. J'ai envie de tester d'abord cette sword-là. Ok, ça. Non, j'ai merdé. Non. C'est pas faisable, dites en fait. Ça passe large. Ok, je vais refaire encore un autre combo, mais avec le spec trident, en fait. Magnifique. C'est un combo improvisé, les gars. Donc, faut pas encore s'affoler. Vous signale que le but, ça va être de jouer skill. Donc, du coup, si je joue la race cyborg, ce n'est pas skill. Si je joue le spike trident, ce n'est pas skill non plus. On va être un peu obligé d'utiliser quelque chose qui est skill. La soul cane, je pense que je devrais changer la race. Vas-y. Bon, on va changer la race cyborg. Maintenant, vu qu'on doit jouer full skill, il nous faut la race mink. Allez, mink, s'il vous plaît, mink. Oh mon dieu, mes yeux sont devenus tout petits, j'ai eu humain, une des pires races. Il va falloir changer de race. On aura une autre race, Mink. Let's go, on a la race Mink, avec la queue de façon bien soignée. Bon, on va directement PVP. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. No! You fucking fight back. Il fallait que je prenne le temps pour que je vois si c'est qui la personne qui est fait pour moi là. Oui. Allez. Wesh, mais il ne meurt jamais ce gars. On lui clique. Il était trop compliqué à tuer. Il m'a fait balader dans toute la map, franchement. Mais finalement, on peut croire quand même que j'ai fini par le tuer. Ah, il vient d'activer son PVP. Oh non. Wesh, sérieux? Comment ça se move comme ça? Oh shit! Ça fait trop de dégâts. Ça fait gravement trop de dégâts. Attends, il va quand même pas revenir. Non, dites-moi que c'est une blague. Wow, attention! Boum! Wesh, il essaie vraiment de me tuer en fait. Il est où? Mais il est où? Mais j'en peux plus, j'en ai marre! Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Mais il est où? Il est où? Je le vois plus, on va sauter tout en haut. C'est sûr qu'il y a la reine. Il est d'où là-bas? Allez! Wesh, il run! Allez, vis fort! Parce que tu runs. Et j'ai pas envie de me faire balader dans toute la map.
Alors, en vrai de vrai, le fruit, il est trop bien. Mais le problème, c'est que il n'est pas vraiment fait pour les fruits isolés. Et étant donné que j'ai envie de jouer skill, le fruit, il n'est pas vraiment fait pour ça. Bon, c'est vrai que j'ai réussi à tuer quelques personnes. Là, je vais passer un swordman et on va voir en fait la différence entre jouer fruit user avec ce fruit et swordman. On va encore perdre quelques fragments, mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude de perdre des fragments, hein, franchement. Ces temps-ci, on en perd comme de l'eau. Les trois premiers. Et le dernier qui reste, on le mettra dans le fruit. Voilà, comme ça on fera quelques dégâts sur le fruit. Bon, on va direct m'appeler PVP. Oh le coucheur de malade. Oh le kiss user qui va run de toute sa life. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. What? Comment il run de fou malade. J'étais pas au courant qu'il y avait des gens qui run à ce point comme ça. C'est une blague. Laisse-moi monter. Let's go. Ah, enfin, j'ai fini par le tuer. Allez, wake up to reality. À la grande. Wesh, une petite attaque. Allez, 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 non, il a plus de HP. Non, ouais, je déteste ce moment où la personne n'a plus de HP. En plus, il a le droit de run. Non, ouais. Regarde comment il run comme une dingue, wesh, il avait plus d'HP. Avec tous les PvP que j'ai fait, franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce set, il est vraiment fait pour jouer en tant que swordman. Parce que quand tu essaies de le jouer, enfin, pourquoi je dis ce set? Non, c'est pas ce set, mais plutôt ce fruit, c'est fait pour jouer en tant que swordman, mais pas en tant que freezer. Parce que freezer, c'est trop galère sans le spectrilon. Dans une autre vidéo, j'essaierai de l'utiliser en tant que freezer. Mais juste l'idée, ça va être de l'utiliser en tant que freezer. Parce que là, je voulais vraiment en fait exploiter son potentiel. Mais là, je viens de remarquer qu'il est fait en tant que swordman. Franchement, en tant que swordman, il passe largement avec les moves et tout. Vraiment, j'ai trop kiffé de jouer avec ce fruit. Bien, il est grand temps pour moi de prendre le large. Sur ce, si vous avez kiffé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Boum. Oh, ça va loin. Attends, je vais le suivre. Jusqu'à où ça va aller? Jusqu'à où ça va aller? Jusqu'à... Ah, il a disparu.